Bonjour Brigitte. Bonjour Pascal. Sais-tu pourquoi j'ai trois cartes sur le tapis? Non. C'est normal. C'est... Ah bon? Tu connais-tu le jeu du bonneto? Oui. Ça se joue avec combien de cartes le jeu du bonneto? Je pense 4. Non, 3. Je sais pas, je connais rien. 3 cartes. Ah, c'est 3. C'est pour ça que j'ai 3 cartes ici. D'accord. Tu connais un peu le principe, un petit peu? Oui. Ouais, c'est quoi le principe en fait? Ça joue... Normalement, c'est des gobelets, c'est pas ça. Ouais, c'est... Ah. Et puis on met quelque chose et on retourne. Voilà, sauf que là, on va le faire avec des cartes. Oui. Deux noires, une rouge. Oui. La mission, c'est de suivre la rouge. Alors, c'est simple. D'accord. Regarde, je vais y aller doucement. Mm-hmm. D'accord. Où est la rouge? Allez. Là. Imagine que tu joues de l'argent quand même. Imagine si tu es ah t'as... Ouais, mais je reste là. Là, tu veux pas changer? Non. Je sais que je suis pas bonne. Oh. Là, t'aurais perdu. On continue? Regarde. Non. Ce qu'il faut, c'est d'y aller doucement. Bah oui. Imagine que le bon tort te propose de gagner 100 euros. Oui. Là, la réflexion, elle serait vraiment de dire, ouais, on va y aller doucement. Oui. Non, il faut le faire doucement. Regarde. Je vais même t'aider. Regarde. La rouge au milieu. D'accord. Ce que je vais faire, tiens, je vais retourner les cartes, les deux noirs face en l'air. Donc là, ça va, hein? Donc là, tu regardes bien. Où est la rouge? Là. Bon, là, tu joues pour 100 euros, là. Mais oui, mais j'ai vu ton... Il me semble que c'est là. Putain, tu vas trop vite, moi, je vois rien. J'étais doucement. Ah, j'irai... D'accord, j'irai plus doucement tout à l'heure. Oui. Bon, là, t'aurais encore perdu 100 euros. Mais tu vas trop vite, tu... D'accord. Ah, mais c'est ça, c'est le jeu du bonneto, c'est terrible, hein, c'est, ouais. Le but, c'est que tu perdes, en fait, que les gens perdent de l'argent. Mais oui, bah, alors, je serais... Hein oui. Je te propose, alors, je vais faire un truc plus simple, d'accord. Je vais même t'aider, regarde. Mm-hmm. La rouge, d'accord. Mm-hmm. Parce que, je vais mettre les cartes face en l'air, mm-hmm. Et là, je mélange. Bon, là, ouais. c'est facile. Ouais. Elle est où, la rouge? Bah, au milieu. Évidemment, sauf que lorsque tu joues au bonneto, lorsque vous jouez au bonneto, le bonneteur, lui, c'est un tricheur. Vous le savez tous et tu dois le savoir. Car si on vérifie, ici, c'est une carte noire. On ne peut pas gagner. Alors, on peut gagner, c'est lorsque monsieur le décide. D'accord. Alors, je vais t'expliquer. Vous voulez que je vous explique comment ça fonctionne en fin de compte? J'utilise une carte très, très spéciale dans le jeu. Mm-hmm. C'est une carte double face. Je suis désolé. Il fallait que je te l'explique. Ouais. Regarde, c'est magique. D'un côté, tu vois la carte rouge et de l'autre côté, tu regardes, tu as une carte noire. Ah oui, j'avoue. Regarde, je peux même t'inviter à prendre la carte et regarder. Retourne là. Mmh. Elle est oui, mais t'as pas remarqué qu'il n'y a plus le double face? Ah oui. Parce que le bonneteur, figure-toi, il te fait croire ce qu'il veut en fait. D'accord. T'as vu une rouge, t'as vu une noire, mais en fin de compte, au final, t'as rien vu. Ah bon? Bah oui, la preuve. Mais dis pas qu'il n'y a que des noirs. Non, il n'y a pas que des noirs. D'ailleurs, tu vas comprendre. Je vais même essayer de te faire ça en direct pour vous prouver qu'on peut vous tromper. Tu vois une noire, on est d'accord avec toi. Hein. Mm-hmm. D'accord? Tu la vois, vous la voyez, d'accord? Et regarde bien. Je prends la rouge, la noire, et si je lance, instantanément, toutes les cartes deviennent noires. Vraiment, tu peux frotter. Et bien sûr, à ce moment-là, tu te poses certainement une question. Non, tu ne te poses pas une question? Bah si, où est-ce qu'elle est la rouge? Eh bien voilà, nous y voyons, nous y arrivons. En dessous, tu n'as peut-être pas vu, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais... La carte rouge. Ça fait de dingue. Un bon conseil, ne jouez jamais au bonneto. Non, mais j'attends, c'est un manque de crâne fou et on perd de l'argent, donc ça... Ouais, la preuve. Allez, à bientôt les amis, je vous remercie de nous avoir regardés. Allez, ciao, bye bye. Lightning strikes by my